Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous avez pu le voir dans le titre, d'ailleurs c'est peut-être même pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. On se retrouve pour une vidéo produit terminée. Comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé au cours de ces dernières semaines. Et il y a un peu tout, il y a du shampoing, du gel douche, il y a des parfums, des bougies, des vitamines, des trucs pour les cheveux, voilà. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai déjà sorti les bougies, je commence toujours par les bougies dans les vidéos produits terminés parce que je termine énormément de bougies. Vous savez que je suis en collaboration toute l'année avec Dolly et Jack, mes petits chouchous d'amour, voilà, avec qui ont la marque Dolly et Jack, donc Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien, qui ont créé leur marque de bougies artisanales Dolly et Jack. Donc du coup, à chaque fois, ils m'envoient leur collection. Donc ce sont des bougies, encore une fois, artisanales. Vous avez toujours mon code promo dans la barre d'infos pour vous faire plaisir toute l'année, même sur les nouveautés. Et à chaque fois que vous servez de mon code, j'ai une petite commission, donc merci beaucoup à vous. Donc là, bah, je vais vous montrer des petites merveilles. J'ai déjà terminé cette bougie. Tout ce que je vais vous montrer, c'est en édition limitée, malheureusement. Cette bougie, j'espère qu'ils la remettront. C'était la bougie là du printemps, pétale de rose. De la White Edition, donc c'était un pot blanc comme ça. Comment vous dire que ça sent, mais extrêmement bon. On est sur une odeur de rose, mais pas ça sent pas la rose, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc poudré derrière, c'est extrêmement, voilà, parce que eux ils avaient trop peur de tomber dans l'engrenage de la bougie à la rose justement. Et là, pas du tout, j'arrive même pas à dire que c'est fleuri en fait. Je ne sais pas vous expliquer, c'était une très 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 belle bougie celle-ci, franchement. Voilà, ils ont des petits bangers comme ça sur leur site. Toutes les bougies en général sont des merveilles. Mais alors il y en a qui sortent du lot comme ça. Et celle-ci, d'ailleurs, elle est tellement sortie du lot qu'elle est partie extrêmement vite. C'est pour ça qu'il faut leur dire, mais les gars, vous nous la remettez quand? Parce que celle-ci, voilà, printemps, été, automne, hiver... Elle va à toutes les saisons. Et ensuite, j'ai terminé bah, la collection complète. Mais alors, par contre, j'ai exagéré, vous allez voir. De la collection Saint-Tropez. Alors, j'ai un petit peu laissé cramer le truc. J'ai terminé les 3 bougies de la collection Saint-Tropez. Donc déjà, la matin d'été à Saint-Tropez, la numéro 1. Donc effectivement, quand vous laissez trop brûler, voilà, ça c'est extrêmement le mauvais exemple. Une bougie, il ne faut pas la laisser brûler plus de 4 heures parce qu'effectivement, ça va noircir, ça va sentir le chaud. Et vu que ce n'est pas des bougies chimiques, entre guillemets, la flamme risque de se déplacer à l'intérieur parce que tout devient liquide, ça risque de se déplacer et de mal fondre. Moi, c'est nickel, hein, y a plus rien. Après, j'ai même gratté pour mettre ça dans un brûleur. Mais ça va, alors en fait c'est vraiment quand elle était tout au bout où j'ai laissé un petit peu trop cramer. Vous allez voir, j'ai fait la même chose pour les 3. Cette collection était une collection bien particulière je trouve par rapport à Dolly et Jack. Ils ont fait quelque chose un petit peu à part. On est sur des bougies qui sont beaucoup plus florales, chose qui est très rare chez Dolly et Jack. Je viens de vous présenter la bougie à la rose, mais la bougie à la rose elle est très poudrée, voilà. Mais écoutez, c'était vraiment... voilà, j'ai bien aimé, ce ne sont pas mes préférés, mais j'ai bien aimé, ça diffusait dans la maison et tout ça, vous aviez une petite ambiance et tout, et moi je me faisais des ambiances chez moi en les mélangeant, ouais je fais ça tout le temps, genre dans la salle je mettais la matin d'été qui avait ce côté un petit peu, encore une fois poudré, un petit peu dans la même vibe que la pétale de rose, mais voilà un peu poudré et tout, je ne saurais pas vous expliquer. Ensuite, on a la numéro 2 qui est la tendre romance. Donc, encore une fois, je l'ai... Et celle-ci, elle avait un peu plus de caractère. Il y avait un petit côté un peu piquant dedans et un peu fruité aussi que j'aimais bien. Et celle-ci, je la mettais toujours dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Et il y avait la numéro 3, la nuit étoilée. Et celle-ci, elle faisait vraiment parfum. Vous voyez, parfum de niche, en fait. Parfum qu'on pourrait porter sur soi. Un peu... bobo parisien, mais dans les soirées à Cannes, vous voyez, je suis partie loin, mais moi, vous savez, quand je parle de bougies, je peux vous parler, ça part dans tous les sens, voilà, il y a une imagination qui est débordante. Et
il y a toujours, encore une fois, ce côté poudré crémeux, je ne sais pas comment vous expliquer, avec des fleurs derrière. Et j'ai adoré, franchement, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas s'il en reste encore sur le site. Ils avaient sorti également en tartelette et en brume. Je fais ça parce que là, j'ai une brume. Et ensuite, cette fois-ci, on a terminé avec Dolly et Jack. Je vais vous présenter des bougies que j'ai terminées de chez Harmonie d'ailleurs, qui est aussi une de mes amies artisan tirier, qui fait aussi des bougies artisanales et tout. Et là, on est sur un autre mood, clairement, parce qu'elle, elle fait des pots en gesmonite. C'est elle-même qui fait ses petits pots. Donc là, j'ai terminé la Barcelone. C'était la collection d'été. Regardez le pot. Après, le pot, vous venez le nettoyer, parce que la gesmonite, ça craint pas la chaleur. Par contre, ça craint l'eau. Moi, je l'ai nettoyé et puis après, vous en servez comme pot à crayon et tout ça et tout ça. Mais elle fait également des recharges de bougies pour que vous puissiez remettre une recharge dedans. Donc là, la Barcelone était très acidulée parce qu'elle avait cette odeur d'agrumes, pamplemousse, citron, orange. Elle avait vraiment toutes ces petites odeurs-là d'agrumes. Ça sent encore parce que du coup, la gesmonite s'est imprégnée. J'ai adoré cette petite collection d'été qui était très fraîche, très estivale. Franchement, voilà, donc elle fait ses pots également à la main. Vous avez aussi mon code promo, c'est pas un code affilié celui-ci, mais qui est toujours dans la barre d'infos. De toute façon, que ce soit pour Dolly et Jack et Harmonie d'ailleurs, vous retrouvez toujours tout dans la barre d'infos. Et elle avait fait également un petit pot comme ça en gesmonite, avec des petites fleurs ici. Et cette fois-ci avec un couvercle. Alors ça, j'avais mis une recharge dedans, je me souviens plus du tout du nom de la recharge. Mais oh, ça sentait bon, je sais plus. Bon, je vais pas trop teaser parce que je sais plus, là, il n'y a pas d'étiquette et tout, parce que c'était une recharge qu'on pouvait mettre dedans. Je m'en souviens plus. Et bref, elle a des petits pots comme ça. Et ça, bah, forcément, oui, je garde. Donc voilà, je vais pas les mettre à la poubelle. Et ça, vous pouvez mettre vos petits cotons, vos petits, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà pour les bougies, mais on va continuer avec tout ce qui est odeur parce que je vais vous montrer des petits parfums que j'ai terminés également. Un petit parfum de chez Knox, celui-ci je vous le présente tout le temps, c'est le 912 de chez Knox qui n'est autre que l'équivalent de chez Tom Ford, le Lost Cherry. Attendez, je le sniffe parce que je l'aime. Et c'est au moins la cinquième, voire sixième fois que je vous montre celui-ci. Donc Knox, c'est une marque de parfums d'équivalence espagnole où vous retrouvez tous les parfums qui sortent en équivalence, même les anciens et tout. Et ce sont exactement les mêmes odeurs, mais en 3-4 fois moins cher. Ça vaut trop le coup, c'est pas cher, c'est de la bonne qualité, ce sont des autres parfums. Et vous avez également mon code promo dans la barre d'infos. Je suis désolée, je vous le redis, mais il est toujours dans la barre d'infos. D'ailleurs, en ce moment, il passe à moins 25, il me semble. Je vous remets tout dans la barre d'infos, de toute façon. Et pareil, à chaque fois que vous utilisez mon code, j'ai une commission. Donc, merci beaucoup. On me demande à chaque fois si ça tient bien. Moi, je porte que ça. Là, j'ai terminé un petit peu. Vous allez voir ce que j'ai ouvert depuis longtemps qui venait pas de chez Knox. Mais voilà, je me fais kiffer à chaque fois parce que je peux m'acheter des parfums de marque. Mais pas cher du tout et c'est exactement les mêmes odeurs. Donc je suis ravie, vous avez toute la liste d'équivalents sur le site. Sinon, si vous cherchez un parfum en particulier, vous mettez le nom du parfum dans la barre de recherche et ça va vous dire celui qui correspond. Donc moi, le Lost Cherry de chez Tom Ford, qui est un mélange de cerises très sucrées, c'est un parfum qui est mixte. Je l'adore, c'est un de mes préférés chez Knox, même en parfum général, chez Tom Ford, et c'est le 912. Ensuite, il y a ces petits parfums-là aussi que j'aime beaucoup, et celui-ci, ça me fait trop rire, parce que c'est un petit parfum comme ça de chez Adopt, qui sont aussi des eaux de parfum, et celui-ci, c'est de la gamme, ils ont sorti une gamme très boisée, cuirée, orientale, un petit peu, et c'est le Oud brûlant, et ça me fait rire, parce que Nani me l'a offert celui-ci, elle savait pas que je l'avais, mais je venais de le finir en fait, ou j'allais le finir, ouais, et tellement je l'aimais, donc elle a vraiment pris celui qui, parce que j'ai toute la gamme, je les ai tous pris, le oud, le santal, le ambre, je les ai tous pris, voilà, le oud épicé, donc ça sent effectivement voilà, c'est très poivré, très musqué. Il y a vraiment toutes ces odeurs-là. J'adore, si vous aimez comme moi les parfums un petit peu type oriental ou très fort comme ça,
mixte même, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à regarder cette gamme-là. Et le haut de brûlant, c'était un de mes préférés. Et oui, ça tient aussi très bien sur moi. Et on va terminer avec les parfums. Enfin, on va terminer niveau parfum. Avec les parfums que j'avais achetés il y a quelques temps déjà. Avant Nox, j'ai terminé deux parfums. Alors celui-ci, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Mais il a tourné. Je le gardais exprès pour... voilà, mais ça fait déjà un petit bout de temps. J'habitais pas là, hein, je l'avais déjà... Donc ça fait déjà 5 ans que j'habite là. C'est le Juliette Has the Gun, mais c'est le Moscow Mulls. Et je ne vais pas le sentir parce que ça sent pas bon. Il est psychédélique ce parfum, je ne saurais pas vous expliquer. Il est frais, mais en même temps il a un truc derrière. Il est vraiment what the fuck. J'adore cette odeur. Je ne l'ai senti sur personne d'autre. Donc de toute façon, les parfums Juliette Has the Gun. Voilà, mais alors le Moscow Mulls. Ils l'ont pas chez Nox, ça c'est nul. Mais ils ont un autre chez Nox, de chez Juliette Has the Gun. Et j'ai terminé le Chloé, de Chloé, voilà, que j'ai aussi depuis, je peux pas vous dire. Donc toujours en autre parfum. Donc Chloé, c'était un de mes parfums signature que j'adore, voilà. Et j'avais même terminé la dernière fois la version Nox. Donc là, je ne l'ai plus du tout. Il va falloir que je le reprenne. Mais du coup, je le reprendrai chez Nox. On a terminé pour tout ce qui est odeur, parfum, bougie. Quoique, il y a d'autres choses très odorantes que je vais vous montrer. Alors, j'ai plein de gels douche. Déjà, j'ai un gel douche comme ça que Nanine m'avait envoyé. Un gel douche de chez Nux. Le prodigieux floral. Ça sentait mais tellement bon. Et sur la peau, elle a dû le payer cher. Mais j'ai adoré cette odeur, franchement il est trop, voilà. Si vous avez la possibilité de vous prendre des gels douche Nux, eh ben, je comprends pourquoi ça coûte aussi cher. Quoi que je dis, je vous comprends, mais il y a aussi les tulipanes négros. Attendez, j'en ai terminé 4 et c'était les 4 derniers de ma collection. J'en ai plus, je suis dégoûtée. Tulipanes négros, ce sont des gels douche espagnol, voilà, que j'achète sur le site de LCO Beauty. Pareil, vous retrouvez tout dans la barre d'infos avec mon code promo. C'est pas un lien affilié, vous retrouvez tout à chaque fois. Et en fait, alors actuellement, je sais pas si elle les a sur son site, mais ce sont des grands contenants de 650 ml. Ce sont des gels douches qui sont mais trop bien. Avec, voilà, vous pouvez l'utiliser pour toute la famille. C'est hypoallergénique et tout. Ils ont des odeurs, mais ça tient super bien. Je suis trop fan. J'ai terminé le savon crémeux, voilà, un de mes préférés avec le coton et talc, voilà, des odeurs très, voilà, cotonneuses, on aime, pour cet été, j'avais terminé le melon sucré, voilà, je me suis fait kiffer cet été avec le melon sucré, il n'y a rien à dire, par contre, celui-ci, je ne l'ai pas kiffé du tout, c'est le Ozono Protect, qui est plus un mixte, et en fait... Celui-ci, je trouve qu'il sent un peu le parfum, le mâle de Jean-Paul Gaultier. Et vous savez, parce qu'à la fois vous avez rigolé quand je vous l'ai dit, que je déteste cette odeur. Elle me donne mal à la tête, envie de vomir. Je ne supporte pas cette odeur. Quand je sens quelqu'un dans la rue avec ça, j'ai des hauts le cœur. Donc ça, c'est un léger... Une légère odeur, une arrière-odeur de ça, donc j'étais bien contente de finir. Je l'ai utilisé quand même. Ensuite, il y a plein de trucs encore. J'ai terminé un autre gel douche comme ça, le Petit Marseillais. Et celui-ci, c'est le Feuille de Menthe. Mais il n'y a pas plus frais. Alors là, je me lavais, j'avais l'impression d'être un menthier. D'être une grosse feuille de menthe géante, bien fraîche. Ça, cet été, j'ai adoré. On n'entend pas beaucoup parler de celui-ci. Et pourquoi le Petit Marseillais, feuille de menthe? Si vous avez envie de frais, sentir bon et que ça tienne sur votre peau, bah allez-y, enfoncez. Oula, oula. Alors, il y a encore plein de trucs. J'ai terminé un autre gel douche comme ça de chez Yves Rocher. C'est Nico qui me l'avait offert. J'avais mis de l'eau après dedans. C'est Nico qui me l'avait offert dans notre swap calendrier de l'avant. Et c'est celui à la mangue. Et je me disais, mais il sent pas vraiment la mangue. Il y a un truc derrière. C'est mangue et coriandre. C'est pour ça. Écoutez, j'ai pas spécialement kiffé. Par contre, je trouvais qu'il avait super bien. Mais de chez Yves Rocher, c'est pas mon préféré. Mais j'ai quand même bien kiffé. Il fait très très bien son taf. Et, mais ça, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit, mais
il y a une manque plus quelque chose derrière. Donc c'est ça qui le rend un petit peu, comment dire, un petit peu à part et qui fait tout son charme, franchement. Donc voilà, si vous vous attendez à un truc sucré, mangue, non. Mais un mangue un peu space et tout, ça c'est ce que j'aime quand il y a un petit truc derrière, vous savez. Donc ça, voilà. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Écoutez, pourquoi pas, mais plus en hiver. Là, je l'ai utilisé en été pensant que c'était de la mangue, mais c'est pas grave. J'ai terminé des petites vitamines. Eh ben c'est... Ah ben non, c'est pas les mêmes. Je croyais que c'était les deux mêmes. J'ai terminé les petits bonbons, les petites gummies. C'est pas des bonbons. C'est des petites vitamines de chez Beers with Benefit. Et on m'a repris en disant qu'il fallait pas que je dise Beers parce que Beers, c'est la bière. Donc, Beers with Benefit. Voilà. Mais bon, je suis française, les gars. Je vous en parle tout le temps. Pareil, vous avez aussi mon petit code promo dans la barre d'infos. C'est pas un code affilié, mais bon, et je vous donne plein de bons plans là, vous avez remarqué pour cette vidéo. Donc ce sont les petits nounours à venir manger, avaler, ingurgiter dans votre quotidien qui vont vous apporter plein de trucs bien, de bénéfices, ouais. Donc moi j'ai pris, j'ai terminé donc la marque Skin. Enfin la gamme Skin qui est avec du zinc, du biotin, l'acide hyaluronique. J'ai adoré, franchement, moi j'utilise que ça pour la peau, les ongles et tout. Et je prends, ça je vous le présente tout le temps, le Sleep. Donc ce sont des petits bonbons, encore une fois, avec de la mélatonine dedans pour vous aider à vous endormir et tout. Je vais pas vous refaire la publicité, je vous en parle assez sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas à regarder si vous avez un besoin, une problématique, soit pour les ongles, pour le stress, pour la concentration, pour les muscles, pour la libido, pour le soleil, vous avez tout. Ensuite, j'ai terminé une laque comme ça de chez Leclerc, la marque Repair, c'est la Vitanov Forte, c'est la puissance 2, voilà, nickel, écoutez, on dit oui, j'ai rien d'autre à dire. J'ai terminé le shampoing et masque comme ça de l'OVA. L'OVA, c'est la marque Leclerc, l'OVA, je crois, il me semble. Je sais plus. Bref, c'était celui... c'est lequel, celui-ci? À la coco. Voilà, coco et thé vert. Ça sentait trop bon. Ça sentait trop bon. J'ai adoré, mes cheveux ont adoré. J'adore la gamme l'OVA. Ils ont aussi une gamme... Monoï, ça sent trop trop bon. Écoutez, ça m'a lavé et démêlé les cheveux, donc je dis oui. D'ailleurs, entre temps, je ne l'ai plus là, mais j'avais testé un autre shampoing de chez Action qui m'a complètement irrité les cheveux. Enfin, le cuir chevelu, pas les cheveux. Et je l'ai donné à ma soeur. Mais ça là, voilà, c'est parce que ça m'a fait penser à ça, c'est tout. Toujours pour les cheveux, j'ai... Enfin, pour les cheveux, non, mais moi je le mettais sur mes cheveux. J'ai terminé le pot comme ça d'aloe vera qu'on trouve chez Action, voilà. Et moi, je m'en servais pour plaquer mes cheveux. Là, actuellement, j'utilise celui de Tommy Moly que j'ai acheté chez Normal. Et bah franchement, je préfère celui-ci de loin. Déjà, il est 3000 fois moins cher. Et il y en a plus dedans, il me semble. Ou peut-être pas. Et il est beaucoup mieux, je trouve qu'il plaque mieux. Et l'autre, il laisse un fini gras sur les cheveux. Et non, celui-ci, nickel. Bon, j'ai terminé des dentifrices, voilà, le Max White Colgate que j'achète chez Action. Et celui-ci que j'avais pris pendant les promos beauté, le Aquafresh Charbon, celui-ci je veux plus le voir. Je l'ai acheté en deux fois, donc j'en ai encore un dans mon tiroir, je veux plus le voir. Il est noir, ça me mettait des trucs dégueulasses partout, même si je nettoie mon lavabo. J'avais des trucs noirs partout, je... non, ça non, par contre ça lave bien les dents, mais charbon c'est censé blanchir les dents, bref. En même temps, je bois du thé, je bois du coca, donc bon. Alors, j'ai terminé un petit gel douche comme ça. Non, c'est un gel lavant. Oui, ouais, oui. Ah, c'est Nani qui m'avait envoyé ça dans une petite trousse. Il y en avait plusieurs dedans. Regarde, parce qu'il me semblait qu'il y en avait un autre, mais non. De chez Nuxe, de la gamme Rêve de Miel. C'était un lavant pour le visage et pour le corps. Moi, je m'en suis servie pour me laver le visage, tout simplement. Je me nettoyais le visage avec. Et j'ai adoré, franchement je peux pas vous dire autre chose, j'adore. Et puis ça sentait super bon, voilà, très... Mais Nuxe, ils ont des produits très... j'aime beaucoup. J'ai terminé pour les cheveux un spray pour la protection chaleur, Argant Oil de Maroc, de la marque The Beauty Tep, qu'on trouve chez Action. Ils ont aussi la gamme avec la crème, avec le shampoing, l'après-shampoing. Et j'adore. Donc ça, je le mettais sur mes cheveux humides avant de faire un brushing et tout pour les protéger contre la chaleur et tout ça. Donc voilà. Là, actuellement, je suis en train d'utiliser le Provost
Franck Provost. Et voilà. J'ai mis du temps en plus à le, alors que je le mettais à chaque shampoing, mais j'ai mis du temps à le finir. Ah, chez Caudalie, j'ai terminé. C'est Nani aussi qui m'avait envoyé une trousse avec plein de petits. Nettoyant, enfin pas un petit truc de la marque Caudalie, et ça c'était la mousse nettoyante pour le visage que j'ai terminée, et je suis vraiment pas fan des mousses nettoyantes, j'ai pas l'impression que ça me nettoie, moi j'ai besoin de faire un moussé et tout, alors que là c'est déjà en mousse, je sais pas comment vous expliquer, pourtant ça m'a super bien nettoyé, hein. Attendez je l'enlève parce qu'il y a un peu d'eau dedans et j'en ai plein les doigts, ça m'a super bien nettoyé et tout, mais je suis pas fan des produits mousse, je tente, hein. J'en ai encore hein, dans mon backup. Voilà. Petit déodorant Dove original, je le présente toujours, voilà. J'utilise aussi les déodorants Wild, vous savez, mais j'avais plus de recharge de chez Wild, donc en attendant, j'ai pris ça. Et voilà, ça fait aussi très très bien l'affaire, même si les Wild sont beaucoup mieux au niveau compo et tout, on est d'accord. Même au niveau sensoriel et tout, l'odeur et tout ça. Mais Dove, c'est la base. J'ai terminé une eau de tiare comme ça. C'est une eau pour venir vous laver le visage. C'est aussi Nani qui me l'a envoyée, cette eau. Je l'adore. Franchement, j'utilise les eaux de Christian Lénard depuis des années. J'avais même pas commencé YouTube. Et ça, pour cet été, la tiare, j'avais adoré. Moi, tous les matins, je viens me nettoyer le visage avec ça. C'est ma base. Voilà, c'est... Voilà. Oh, lui, il est trop... Mais c'est Nani aussi qui me l'a offert. Elle me l'avait glissé dans un colis de Noël. C'est un désinfectant pour les mains. Bath & Body Works. Je me suis aperçue que c'était Bath & Body Works qu'au mois d'avril, quand je les ai rencontrés. J'avais pas vu. Il y a écrit Bath & Body Works ici. Mais pour moi, je pensais que c'était... Voilà, qu'elle m'avait pris ça, un nettoyant pour les mains. Je l'ai adoré, celui-ci. Je l'avais dans mon sac. Donc, c'est pour ça qu'il s'est terminé. C'était le Vanilla Bean Noël qui sent trop, trop bon la vanille. Et voilà, et quand on s'est vu avec Nani et Nico là au mois d'avril, je crois que je l'ai sorti pour nous laver les mains. Et puis elle a dit, ouais, t'aimes bien Bath & Body Works et tout. Je dis, mais je savais même pas que c'était Bath & Body Works. Sinon, franchement, je l'aurais gardé. ensuite, j'ai terminé un sérum. C'est Nani qui me l'a offert aussi, celui-ci. Un sérum de chez The Ordinary. Je les adore, les sérums de chez The Ordinary. Il y en a un où je suis allergique, mais celui-ci, non, je suis pas allergique. Celui-ci, c'est le Hyaluronic Acid 2% B5. Et voilà, sérum que je mets tous les matins avant de mettre ma crème. Donc voilà, ça, je l'ai bien kiffé. Et en ce moment, j'ai utilisé la crème de chez MAC, la crème hydratante que j'ai terminée hier. Donc j'adore, c'est MAC qui me l'avait envoyée avec mes points. Vous savez, comme je suis VIP plus. Donc c'est la Mineralize Gel Crème, tout simplement, crème hydratante. Et écoutez, ça fait aussi 2-3 pots que j'ai et j'adore. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'adore cette crème hydratante. Elle m'hydrate. Voilà, c'est le plus important. Je trouve que ça me laisse une belle peau bien hydratée, bien nourrie. Donc voilà. Et j'avais aussi acheté un petit contour des yeux que j'ai terminé ce matin. Le 123 qu'on trouve chez... la marque 123 qu'on trouve chez Nocibé. Voilà, je l'avais acheté la dernière fois. Franchement, je rachèterai pas parce que j'ai pas eu l'impression que ça m'a mis un super contour des yeux par rapport à d'habitude. Voilà, je me suis fait avoir quand j'y suis allée pour tester des trucs. Elle m'a dit, vous avez le contour des yeux déshydraté. Et ben, je trouve qu'il est toujours déshydraté, meuf. Hein. Ensuite, j'ai terminé, là on va plus passer make-up, même si c'est pas trop make-up. J'ai terminé des bases comme ça, une base pour le teint, voilà, de la marque Florasis. Florasis, c'est ça? Écoutez, c'était ma base préférée. Je suis dégoûtée de l'avoir terminée. C'est une base qui sentait la crème. Et qui en plus avait un SPF dedans. Il me semble SPF 50. Je l'ai adorée. Elle m'hydratait le teint. Enfin, elle m'hydratait le visage, la peau. Mais en même temps, je trouvais que ça faisait tenir hyper bien mon teint. Parce qu'elle était justement bien hydratante. Donc j'avais une bonne base, on va dire. Donc j'ai adoré. Et quand je l'ai terminée, je me suis dit, tiens... Je vais me pencher sur la Max & More qu'on trouve chez Action. Je l'ai essayé plusieurs fois, hein, comme vous pouvez le voir, mais je peux pas. Elle laisse un effet gras sur la peau. Vous faites ça, tout part avec. Vous faites, c'est affreux. Je l'ai essayé plusieurs fois. Ils disent que c'est la Miracle Blur. Écoutez, je suis dégoûtée, ça ne me blur rien du tout. Donc voilà, j'ai lâché l'affaire. J'ai terminé aussi une petite poudre compacte comme ça de chez NYX en teinte light. Je l'ouvre pas parce qu'il y a des petits bouts partout.
Je les adore, c'est mes poudres préférées. Je viens justement poudrer mon anti-cerne avec ça. J'ai un petit bout de savon là, je sais pas quoi. J'ai dû sniffer trop de trucs. Ça vient poudrer et me laisser un petit effet très flouté et tout. Ça, j'adore. La NYX, la Can't Stop Won't Stop, je vous la conseille. Du coup, bien sûr, j'ai repris un backup. Et pour terminer, j'ai terminé des sprays fixateurs de chez NYX, toujours en ce moment. NYX pour le teint, c'est vraiment mon dada. J'ai terminé le spray mat, voilà, de chez NYX, le matte finish. Je vais le racheter parce que je l'aime beaucoup, franchement. Je ne l'avais pas pris en grand, j'avais pris en petit comme ça. Écoutez, je trouve que c'est top. Mais quand il a fait super chaud, j'ai pris ça. Le infaillible L'Oréal. Alors, par contre, celui-ci, c'est un truc. Faut qu'on en parle. C'est de la laque. Hein. Clairement, c'est de la laque. Ne vous mettez pas ça dans les yeux, vous êtes aveugle. Faut pas en mettre trop. Vous le mettez loin et vous faites juste ça. Hein, parce que ça vous fige. Et la dernière fois, j'en avais trop mis. Et quand je faisais ça, je craquais ma peau. Mais est-ce, au moins, ça tient. Ça, vous êtes sûr que ça tient. Infaillible, ouais, c'est clair. Quand vraiment je voulais que ça tienne, je mettais ça. Même le flacon est laqué à force de le mettre. Non, mais c'est dingue. Voilà. Et ben, on a terminé. Avec les produits terminés, tout est terminé. C'est mon petit truc de chez NYX qui s'est remis dedans. Mais sinon, à plus, comme on dit. Donc voilà pour tous mes produits que j'ai terminés là ces dernières semaines. Encore des pépites. Je suis en train de terminer plein de trucs là. Je suis en train de me dire, c'est pas bon tout ça. Parce qu'après, il va m'en manquer et je vais être malheureuse et j'ai pas envie d'être malheureuse. Non, je rigole, j'ai vraiment de quoi faire, vous savez. Mais voilà, là, il y a des choses que j'avais envie de finir pour passer à autre chose. Notamment ça, là, ça me saoulait. Et puis ça, j'étais pas pressée de la finir parce que je l'aimais bien, mais pour pouvoir passer à la nouvelle crème qu'on m'avait envoyée à tester et tout. Donc voilà, je suis refaite. Donc bah écoutez, voilà. Il ne reste plus qu'à tester des petites nouveautés pour vous en parler la prochaine fois. Et à refaire une commande chez LCO Beauty pour recommander mes gels douche tulipane négro. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez ces gels douche espagnols là, tulipe noir, tulipane négro? Et si oui, est-ce que comme moi vous êtes trop fan? Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.